Voici le délire. On va faire une game de civilisation, mais on va essayer de jouer assez rapido. On va jouer solo, on va essayer de faire. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On va essayer de. Par contre, j'ai cliqué sur continuer, hein, tu feras gaffe. Donc là, c'est le moment où normalement tu dois arriver dans le menu du jeu si tout va bien. Donc bonjour à toutes et à tous, hein, bienvenue. Alors, on va essayer de. Alors, moi, je suis un noob du jeu. Voilà, dans Civilization 6, j'ai fait quoi? 2-3 games, même pas, que j'ai pas terminé en plus, puisque comme évidemment, dans Civilization, on ne termine jamais ses games, au départ en tout cas, eh bien, je n'ai pas encore terminé. Je fais quelques games avec Chipolatac, hein, que vous connaissez bien si vous me suivez depuis quelques temps. Mais bon, Chipolatac me TK, c'est très difficile de jouer avec Chipolatac. Donc voilà. Donc on peut jouer en solo, on peut créer une partie. Solo, sinon on aurait pu faire une partie rapide, hein, quelque chose comme ça, mais on va plutôt faire ça. Alors, dirigeant aléatoire évidemment. Attendez. Hein? Dirigeant aléatoire, moi de toute façon je suis trop nul pour prendre en compte les bonus de dirigeant pour l'instant. Donc voilà. Ou alors on pourrait prendre un truc qui a la classe, genre Rome. Genre Rome, ce serait pas mal. Trajan, je sais même pas ce que ça fait. Toutes les villes commencent avec un bâtiment supplémentaire pour se centrer toutes les villes Ouais, d'accord. Énorme. Difficulté, prince, c'est la difficulté de base. Vitesse de la partie normale, rapide. Ah! Partie prolongée. On va mettre rapide pour voir ce que ça change. Type de carte, continent. Taille de la carte, petite. Plutôt minuscule que petite. Parce que petite, en fait. Petite, c'est les civilisations petites, quoi. C'est genre. Oh là, ils sont 4, c'est pas mal. Aire de départ, aire antique, vitesse d'appartenance, okay. Taille de la carte, âge du monde, climat, précipitation, niveau de la mer, ressources, emplacement de départ, très bien. Victoire au score. Alors, condition de victoire, on va peut-être enlever la victoire militaire. Ok? Victoire au score, c'est quoi? Je crois que c'est le temps imparti. Voilà, victoire au score, c'est 250 tours, un truc comme ça. Ça, c'est le site de la game. Victoire culturelle, c'est quoi? Que votre empire est si grande que vous croulez sous les touristes venus de civilisation, cette victoire est la plus difficile à obtenir. Victoire religieuse, on va enlever aussi. Ça nous emmerde. On va prendre scientifique, culturel ou score. Et on va voir combien de temps on met à finir la game. Ok? Parce que militaire, c'est pour les noobs. Enfin, c'est pour les casus, quoi. Religieuse, c'est pour les mecs qui floudent. Chasser les ténèbres païennes. Et score, culturel, scientifique. Regardez, c'est pas mal. Alors, limite de tour par vitesse de la partie. La partie prendra fin en 2050. Ok, je pense qu'on peut de toute façon finir en, je sais pas, 250 tours, ça me paraît pas mal. 500 tours, c'est beaucoup. Prends pas Rome alors. Non, 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 mais on s'en fout. Culturelle la plus difficile, je l'ai faite sans faire exprès avec la France en 200 tours. Ah ouais? Eh ben nice! Vous voulez qu'on prenne la France? Moi je veux bien prendre la France, j'ai jamais pris la France. Et ils ont quoi la France? Oh, merveilleux Moyen-Âge, renaissance industrielle, escadron volant de Catherine, dispose de niveau de visibilité, gardien de la Castel, culture plus 1, de merveille, non, ça me joue. Non, mais Trajan, c'est bien. Allez, go! On y va! On verra ce qui se passe. Cléopâtre, reine du monde en 2050. Des premiers exactement. Frémissements de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre, non, c'est quoi? Et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. Vous venez de très c'est loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir. Rome, c'est une bonne civilisation de débutant, donc c'est pas mal. Ah bah tant mieux alors! Voyez les choses en grand, ô Trajan, empereur de la puissance. Pas de victoire Rome. Militaire et religieuse, c'est pas très Deus Vult tout ça. C'est vrai. Le plus grand c'est vrai empire ça. Que le monde ait connu. Si tous les chemins mènent vraiment à Rome, alors votre empire connaîtra la richesse et le luxe. Bon, cela dit, et vos citoyens vous nommeront. Si vous n'êtes pas en victoire militaire mais que vous prenez quand même toutes les villes de vos alliés, enfin de vos ennemis. Normalement ça va. Normalement ça va. Ça peut aller. Donc voilà. Allez, on se dépêche. Le chargement, merde. Pas que ça à foutre. Hop. Dadan. Ah, la musique qui pète un câble. Ah non, c'est pas César, attention hein. Attention, c'est Trajan. Je suis Trajan. Le personnage était mieux fait dans le 5. Ouais, like I care. Like I care. Bon allez, on y va. Bon après cela dit, civilisation, il n'y a plus jamais de chargement. À part le tour des IA, du coup ça va. Du coup ça va. Alors est-ce qu'on pourrait mettre peut-être la vitesse des tours rapides, enfin le truc des pas la vitesse des tours rapides, mais les combats rapides, les animations rapides. Peut-être qu'on pourrait faire ça juste pour cette game-là. De toute façon, on va oublier plein de trucs, on va faire plein d'erreurs. Ceux qui jouent régulièrement à Civilization et qui connaissent beaucoup sur le jeu, ça va vous faire très mal, ce stream très 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 mal. Je vous le dis. Donc voilà. Je suis Trajan. Finir en 2x40 minutes, impossible. Ouais, c'est quasiment impossible, hein, je le sais. Évidemment.
Mais on verra bien. J'ai pas dit gagner, j'ai dit finir. Ah ah. Il y a un gros temps de chargement sur ce jeu, c'est son seul défaut. Enfin, c'est le système du jeu qui charge beaucoup de choses au début. Et oui, c'est ça. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la même musique que le 5 MDR. Ah bon ? Bon, ça, j'en ai aucune idée. J'ai très peu joué au 5, donc je ne sais pas. Page de pub pour le chargement. C'est vrai, j'aurais dû la faire là. Ça, j'aurais dû la lancer avant. En vous expliquant. Alors voilà les setups que j'ai mis. Finir en 2 fois 40 minutes, tu comptes les 30 minutes de chargement. C'est bizarre, Zera, il charge plus longtemps que moi, je trouve. Bah, peut-être, après, c'est aussi le fait que peut-être j'ai mis en trop haute qualité. Est-ce que, comme dans Civilization 5, si tu fais suffisamment chier Gandhi, il vient te déclarer la guerre? Du coup, je veux pas trop RP si c'est le cas. Je crois, ouais. Comme je disais quand on a présenté Civilization, c'est le seul jeu où Gandhi peut balancer une bombe nucléaire dans le monde. Ça, c'est quand même génial. Fin de la partie en 2050, je comprends pourquoi les gens finissent pas leur game. C'est des RTK pas. Sur SSD, 2 minutes de chargement. Ah non, mais moi il est pas installé sur SSD. Non. Moi je dois mettre les VOD XSplit sur SSD, et comme c'est 5 Go la VOD de 40 minutes, bon. Vous voyez que j'ai un petit peu besoin. Gandhi est nucléairophile dans Civilization 6. Le changement, c'est trageant. Putain. Trajan, c'est son nom, s'il a la couronne, c'est César. Et oui, puisque évidemment, après tous les empereurs de Rome s'appellent César. Après César. Gandhi, t'as pas besoin de l'emmerder pour qu'il t'agresse. C'est vrai. Par contre, le jeu est très fluide, même sur les PC qui ne sont pas des machines de guerre. Bah ouais, c'est des jeux très bien optimisés de toute façon, donc effectivement. Effectivement. Ouais, je suis de bonne humeur. T'es sûr ton jeu a pas planté? Ah non, je suis sûr de rien du tout. Hein. Je suis sûr de rien du tout, moi, vous savez. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il dit qu'il plante? Il est où? Il est là. Non, il a pas l'air. Putain, mais il est où? Ah, voilà, je l'avais trouvé, mais je l'ai reperdu. Non, il a pas l'air. Mais c'est pas grave, hein. Mais c'est pas grave, ça nous permet de discuter. Moi, je m'en fiche. Le dernier empereur de Rome était une salade, d'où la salade César. Putain, c'est trop de la merde, cette blague. Attends, changement pareil, j'aurais déjà ouvert le gestionnaire des tâches. Ben, je l'ai ouvert et tout va bien. Bon, après, le gestionnaire des tâches, c'est pas une science exacte, quoi. Des fois, ton truc a planté, mais il te dit pas que ça a planté. Genre, il te dit, ouais, en fait, peut-être que ça a planté. En fait, des fois, le gestionnaire des tâches, c'est marrant. Genre, tu lui dis ça, fais une fin de tâche sur ce programme. Il te dit, ah ouais, au fait, il a planté. Tu sais, quand tu lui dis fin de tâche, du coup, tu fais, ah ben ouais, je savais bien. Et il te fait, ouais, non, mais pardon, c'est parce que. J'étais en train de voir un truc avec le pros qui embêtait la RAM et tout. Désolé. Ce stream est outrageant. Putain. Outrageant. Bon alors, il aurait pu au moins planter à la régulière, genre en coupant la musique, en faisant un truc. Je sais pas. Non. Sympa ce fair play pour les téléphones, super fluide, pas de bouillie de pixels. Exactement. Exactement. Tu n'as plus la tête qui va exploser comme hier. Non, ça va. Ça va mieux. Apparemment, ils avaient une connexion de merde à Rome. Salak César. Putain. Ah, c'est énorme. C'est vrai qu'il se fait TK par son PC. Bah non, moi je suis en live, je m'en fous. Moi, tant que le stream passe, c'est bon. Après, on peut faire un stream avec 40 minutes de chargement. Moi, ça me dérange pas. On est avec le chat, là. On discute. Ça laisse un petit suspense. Moi, j'aime bien. Il dit toujours pas qu'il a planté, hein. Là, il est en écriture de disque, 325 mots au seconde, donc je pense qu'il a pas planté, hein. Voilà! Ça a commencé! Salue, c'est parti! Altesse. Je suis votre conseillère personnelle. Quoi? Et je peux vous aider. Dégage! Hop! Alors, qu'est-ce que... Il y a des ressources ici? Là, on pourrait faire un campus à cet endroit-là, ce serait énorme. Donc je pense quoi, plutôt... Mais là, il y a du riz. Là, il y a du coton. Vous, partez explorer. Pas par là, bande de cons! Putain, mais c'est sérieux! Annulé! Non! Je vais pas me mettre ici quand même, si? Je vais me mettre là? Je pourrais me mettre ici. Ouais, mais après, on a le riz en haut, la montagne et tout. Bon, je vais me mettre là, allez.
Rentrer du boulot et voir un live de Civ 6, quoi de mieux pour décompresser? Bah, ITX, quoi de mieux? Bah, jouer, je pense, à Civ 6. Éclaireur direct, choisir une technologie. Bam, on va faire élevage. Tour suivant! Faut faire moins d'une minute par tour, hein, sinon ça va être de la merde. Vas-y, exploration automatique. Faudra pas aller trop loin quand même, sinon les Barbarians vont nous flouder la gueule. Tour suivant. Très bien. Excellent. Tour suivant. Alors oui, attendez. Il y a les options pour les fins de tour automatiques et tout. L'adoption de nouvelles doctrines. Ah, dégage! Mais pourquoi j'ai ça? Je devrais pas avoir les trucs. Alors attends. Interface, c'est pas ça. Vidéo, pas ça non plus. Assignation, application. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Jeu. Fin du tour auto, activé. Déplacement rapide, activé. Combat rapide, activé. Conseillère, désactivé, on va dire. Tour entre chaque sauvegarde auto, 1. Nombre de sauvegardes auto à garder, 10. Ouais, Osef. Cycle aujourd'hui, cycle confirmé. Voilà, ça va être bien pas mieux. La sagesse, mais l'autorité. Changer de doctrine. On va prendre. On va prendre d'abord la reconnaissance, on changera plus tard. Production plus 1 dans toutes les villes. Confirmer les doctrines, go. On choisit un dogme. On va prendre le commerce avec l'étranger. On fera très vite des. Évidemment des. On va faire un bâtisseur direct. On a un deuxième éclaireur. Enfin, un premier éclaireur qui est sorti, j'aurais pu en faire deux. Ah ouais, d'accord! J'aime les ports. Ah oui, j'aime les ports, ouais, je sais. Déplacement rapide, ça va vite, hein. Déplacement rapide, je vous le dis, ça va très 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 vite, hein. Conseillère, ça sent la bonne traduction. Quoi, ça existe pas, conseillère? Mais si, comme la conseillère d'orientation au lycée. Ah, conseillère, c'est un vrai mot qui existe, non? Jérusalem! Un homme n'a jamais. C'est l'aspect positif du camp. Jérusalem, y a pas de victoire religieuse, t'es au fond. Ok, est-ce qu'on a des camps de barbares ou quoi? Non, je vous rappelle que les camps de barbares ne peuvent apparaître que dans le Fog of War. Il a vraiment dit ça? Oui, il a dit j'aime les ports. Vous ferez pause dans la VOD, vous verrez. Non, mais il explique pourquoi il aime les ports après. Il dit pas que j'aime les ports tout de suite. Eh oui. Unité en attente d'ordre. Bâtisseur. Ah, on peut plus les mettre en automatique en fait, les bâtisseurs. Eh ouais. C'est ça l'histoire. Eureka. Falloir jouer vite, hein. Falloir jouer vite. Ah, ça nous fait de l'habitation au départ. C'est très bien, c'est parfait. Hop. Et on va garder le suivant. On va garder le suivant pour aller faire ici l'irrigation. Oh, quoique, on l'aura pas tout de suite. L'exploitation minière, peut-être. Non, on l'aura pas tout de suite également. On va aller là-bas. Vite en attente d'ordre. Ouais, village tribal, ouais. 22 fois, trop de la merde. Déplacement accéléré dans les bois et la forêt. Tour suivant. On va le remettre en exploration automatique. Évidemment. Le jeu se joue tout seul. Ah, suffit exploration automatique, oui. Le jeu fait un petit peu tout seul. Alors, on va prendre. On va prendre croissance de la ville 10%. Ah, quoique. Ouais, si, on va prendre ça. On va prendre ça, c'est pas mal. De toute façon, on va se mettre là. En vrai, c'est des aménagements qu'on pourra détruire plus tard. On va avoir vite fait de la prod et tout. Personne n'aura jamais plus de mérite que la. Que la femme d'un mineur. Old. Irrigation. Boum. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un éclaireur adverse. Oui, bon, bah, c'est pas grave. Tu vas là-bas, et voilà, et après tu vas là-bas. Énorme, c'était pas si difficile quand même. Jérusalem, il va aller éclater les coureurs barbariens. Non, faut juste pas que mon guerrier aille trop loin. Ok, il y a un camp de barbares ici. Donc toi tu reviens ici. On va mettre 5 tours à revenir, lui il repasse en exploration automatique. On va faire genre un frondeur ou un truc comme ça. On va faire juste un frondeur et après on passera sur un colon. Comme ça on va aller éliminer le camp de barbares. Très vite fait. Un homme assez courageux. Ça ne pose pas trop de problèmes. Donc voilà. Est-ce qu'on va prendre la maçonnerie peut-être? Maçonnerie, ça me permettra de faire les remparts vite. Colon. Deuxième ville. Ça va commencer, hein, maintenant. Direct. C'est en ligne ou pas? Bah non. Évidemment. Frondeur. Ah merde, faut faire le grand tour quand même. Ah mais ça va alors, c'était pas si urgent que ça le camp de barbare en vrai. Bon tant pis, alors on va faire. Hop, 8. Et lui, hop, 6. Voilà. Excellent. Comme ça, il se débrouille tout seul. Il suffit de se tourner vers. On va prendre celui pour les barbares. On va prendre celui pour les barbares. Choisir dogme. L'artisanat, peut-être. Après les 20 ans de chargement, il n'y a plus le temps de niaiser. Ah bah oui! C'est vraiment pas RP Rome à côté de Jérusalem. Oh, c'est pas à côté qui te dit que là, entre les deux, il n'y a pas un milliard de kilomètres et qu'en fait, ils sont carrément sur une autre planète. Ah bon, ok, c'était naze comme déduction. Mais... Alors, ok, là, il y a des barbares, ça veut dire qu'il y a un camp barbare pas loin. Ça, c'est chiant, par contre. La compétence sans l'imagination. Ouais, d'accord. Alors, attends, par contre, ils sont où, les guerriers, là?
Ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Reculez! Reculez-vous! Ok, les barbares se sont barrés. Toi, tu repars en explos automatique. On va choisir un dogme. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Voilà, on est dans la forêt. Ok, j'ai un colon, c'est bon. Négociant, évidemment. On va faire une nouvelle ville qu'on va aller placer. Peut-être une ville portuaire, histoire d'avoir des batailles. Non, il faut qu'ils descendent, en vrai. Il faut qu'ils descendent, il faut que l'éclaireur aille vers là, en fait. Merde! Village tribal découvert. Ah oui, il y en avait un en bas. Ok. Mourez. Oh, c'est chiant ça, hein. Hop. Ok, un autre village ici. Ça va être chiant. Bon, du coup, lui, il va revenir par là. Les colons. Putain, mais c'est plus petite île. Ça a l'air un peu nul en vrai comme. Comme île. J'ai pas envie de croiser des barbares et de me faire atomiser mon unit. Ah merde! Il se fait attaquer. Ah ouais, ça c'est le piège quand tu joues à Civilization à cette vitesse. C'est-à-dire que là, je pensais avoir mon unité, j'ai fait clic droit et en fait c'est les colons qui sont revenus en clic droit de l'autre côté. C'est le truc bien chiant. C'est pas un bug, c'est juste que faut jouer mieux. Jouer plus vite. Non, faut faire attention, c'est tout. Chacun d'entre nous sculpte une pierre. Ouais, je suis d'accord. Eux, ils pourront pas attaquer là. Donc en fait là, c'est le pire. Pire move ever. C'est le pire move ever. Alors choisir une ville d'arrivée pour la route commerciale. Bah il y a que Jérusalem pour l'instant. De toute façon, c'est pas très important. L'écriture pour le campus, la bibliothèque, c'est important. Ça par contre. Les remparts. Bah en vrai. En vrai oui mais non. Alors on va juste faire des guerriers en plus. En plus c'est que deux tours. Toujours pas mort, lui c'est bien. On peut se mettre là, c'est vrai. Oui. Donc toi, reviens là. Il y a les guerriers qui vont arriver. Faut juste pas que le négociant se fasse casser la gueule. Toi, tu recules ici. Et toi, tu vas te heal pour l'instant. En plus là, c'est une forêt, donc ils pourront pas m'attaquer direct. C'est vraiment le pire camp de barbares. Le pire camp de barbares qui existe. Ça va être compliqué à bouger après. On va faire un bâtisseur maintenant qu'on a, on a l'irrigation. Donc c'est formidable. Tu veux pas rajouter le compteur d'APM? Pas plus d'une minute par tour. Ah oui, bah ça c'est clair. Là on est à beaucoup moins. Oui. C'est sûr que je m'attendais pas à. Enfin, j'avais oublié que la vitesse des tours pouvait rendre la partie comme ça. Ah oui, ça c'est le nouveau son de sub au fait, hein, YouTube. Salut Liliader. Merci pour ton sub à la Zerator Télévision. Il n'y a pas passé son tour. Voilà. Bon allez, on avance. Là. Non. Vous voyez, faut pas jouer trop vite, sinon. Sinon on te dit. Non, j'estime que tu dois jouer cette unité là, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on n'a pas un meilleur emplacement ici? Non. Hein. On va plutôt aller se mettre ici du coup. Voilà, c'est bien, on arrive à avancer. Badaboum. Hop. J'ai pas envie de me mettre là. On va peut-être se mettre ici en vrai. Ou celle-là, c'est la case la plus naze. Comme ça on aura vite accès à celle-là et à celle-là. Ah, peut-être qu'il voulait que je la fasse ici pour que j'ai plus accès à ça. Mais Rome finira par y avoir accès. J'ai envie de me mettre là. J'ai envie de me mettre là. Puteoli. Grenier. Évidemment, alors on peut acheter le grenier. Hein. On peut acheter le grenier pour gagner un peu de temps. Et on va faire, non pas un éclaireur. Parce que l'éclaireur là, de toute façon, on est complètement entouré d'eau. À moins que là ça continue, mais j'en doute. J'en doute fort. Plutôt un bâtisseur. Il est tout aussi important d'avoir une main-d'œuvre épanouie et engagée que d'être. On est toujours en barbare. Ouais, nickel. Ouais, venez là et retranchez-vous les guérisons. Là, je voulais gérer l'autre, mais pas du tout. Je sais pas s'il y a une option pour désactiver le fait qu'il te sélectionne les unités tout seul comme ça, c'est un peu gênant en vrai. On va avancer d'une case. Ah bah je pensais pouvoir avancer. Ah mais non parce qu'on est en terrain accidenté, je pensais pouvoir avancer d'une case et me heal. Mais en fait pas du tout.
Une route se construit direct, j'ai pas vu tout le tuto. Non, la route s'est construite parce qu'on crée les routes commerciales. Évidemment. Ah, philosophie politique, enfin. On va pouvoir changer de gouvernement. Ça, c'est chouette. Changer de gouvernement. L'irrigation, on a envie que ce soit fait. Zone tranchée jusqu'à guérison. De toute façon, ils vont venir, non? J'imagine qu'ils vont venir. Ah, mais ils pourront pas attaquer. Oh là là. Ah, ouais, c'est vraiment le pire truc. Ah, c'est vraiment le pire truc. Du coup, mais eux peuvent pas bouger aussi d'un côté, donc ils sont un peu bloqués. Ah, mais si, ils vont pouvoir passer sur leur propre camp. Bon, je vais les laisser là parce que de toute façon, les guerriers vont sûrement mourir. Au final. Encore un colon, il veut que je fasse là? Ouais, pour aller à gauche, en vrai. Mais bon, ouais, cela dit, hein. On peut y aller, hein. Tour 38, c'est pas déconné, hein. C'est pas déconné. Par contre, c'est nul, t'as pas d'autre joueur sur l'île. C'est partagé. C'est vrai. C'est dans la nature même de l'homme que de Julien 250296, ça va dans la Zerator Télévision. Ouais. Merci. Navigation à la voile. C'est absolument que je le développe. J'ai jamais vu de bateau dans ce civ encore. Je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Lui repart en exploration automatique. Lui, bah, il va encore se retanger jusqu'à guérison. De toute façon, il se fait chain attaquer, donc c'est pas très grave. Au moins, il va régène à chaque fois, à chaque petit tour. Voilà, à chaque fois, il régène un petit peu. Et au moins, ça prend de l'avance. Ça prend de l'avance pour les frondeurs qui prendront le relais derrière, évidemment. Et les grands vaisseaux s'aventurent. Ouais, vous voyez, en fait, juste en faisant du full heal, il va se suicider sur mes. Sur mes types. La roue, la monnaie, plutôt la monnaie avec le marché. Ouais. Et ben là, tu vas avancer, hein. Ah. Ah. Ah non, c'est vrai, attendez, il y avait un village tribal. Faut que t'ailles ici. C'est obligatoire. Donc là, pareil, on va se mettre ici, on va attaquer, régène, attaquer, régène. Je pense que ça va le faire. Bon, eux, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, mais ils ont bien tenu en vrai. Toujours pas mort. En fait, ils régènent beaucoup plus que. Ils régènent plus. Oh, quasiment autant que ce qu'ils se font taper. Quasiment. Pas exactement la même chose, mais. C'est quasiment la même chose. Alors, voyons voir. Il y a un mec qui a dit il y a quand même des pubs alors qu'ils jouent à Civilization. Mais si tu parles de la post-pub, oui, il y en aura quand même, ça ne change rien. Promotion dispo. Chouette, on le fera pas tout de suite. On les fera régène avec. Bon, là, on a perdu l'unique comme prévu. Et on avance. Le village tribal, je sais même pas ce qu'on a eu. Là, on va peut-être faire avancer l'éclaireur pour aider très vite fait à la capture. Là, on va se jeter dedans. Et quand au prochain tour, on les fera régène avec. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien. On va attaquer avec lui. Et là, avec un peu de chance, un nouveau colon. Avec un peu de chance, là, ils finissent. Voilà, comme ça, ils peuvent régène derrière. Alors, ce colon, bah, il va aller plutôt là, hein. Ouais, hein. En vrai, alors peut-être pas non, peut-être pas ici. Peut-être plutôt là-bas, ouais, ça ce serait pas mal. Non, c'est trop entouré de montagnes, c'est trop naze. C'est trop naze. Plutôt ici, en fait, faudrait voir s'il y a une suite derrière ça, mais j'en doute fort. Plutôt là, sur les côtes à gauche. Plutôt ici, ouais. Il y aura du jade, blé, riz. On va aller plutôt par là, je pense. Rempart antique, donc ça sert quasiment à rien d'avoir des remparts antiques hein, ici. Là, ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que je voulais avoir le campus. Ici. Les frondeurs. Les frondeurs, ils avancent, hein. Allez, meurs. Meurs, l'éclaireur. Ça va le faire, puisqu'ils sont à distance. Ça va juste prendre. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut pas prendre un camp de barbares si on n'a pas de cac. Oh là là, c'est chiant, ça. Enfin, je crois. Il y a un mec qui a dit les gens sont plus grands que les arbres. C'est pas très réaliste. Pas très réaliste. Ouais. Go. Ah, il peut pas attaquer. Toi, continue d'explorer, hein. Je sais pas ce qu'on aura dans ce village. Non, vas-y, tu vas te heal. Quitte à faire. Ah, si, c'est bon, il peut. Ok, je pensais qu'il fallait un cac, forcément. Est-ce qu'on a une promotion? Si l'argent ne fait pas le bonheur, il permet tout au moins d'être malheureux dans le confort. Merci, Calance. Merci, Calance, pour ton sub à la Zerator TV. Pourquoi ça me dit que cette unité a une promotion alors qu'il n'en a pas? Meurs. On ira chercher ça. L'éclaireur à plus. Ah, il a fini lui. Il a des bâtisseurs. Bon, et eh ben on va aller là. Et on va faire bateau de pêche. Hein? Bateau de pêche. Je savais même pas que c'était comme ça. Je pensais même pas qu'ils allaient dans l'eau et qu'ils bâtissaient un truc. Mais ouais, parce que moi je connais rien. Construction navale peut-être. Ouais. On va prendre construction navale. Il va falloir vite s'étendre et aller faire des. Alors là, on doit pouvoir placer un bon campus, non?
Plutôt là, j'ai pas envie de gaspiller le cuivre. Là, on casse le cuivre. Hein. Ouais, c'est ça. Tout ça étant la ville en même temps. La c'est politique, bien. C'est l'art du possible, du réel. Ah ! Nouveau changement de gouvernement ! Du coup, là, je pense qu'on va plutôt faire ça. La République classique, parce que les autres bonus seront pas très intéressants. On va prendre ça. Les routes commerciales, j'espère que je pourrai les faire, même si ça change de continent. Ça, je suis pas du tout au courant. Ça, c'est pas mal. On n'a pas encore envoyé d'émissaire, d'ailleurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Coût des cases réduit de 20%. Production 15% pour les merveilles antiques et classiques. Peut-être les bâtisseurs, ouais. Allez. Les bâtisseurs, à la limite. Autocratie Hall. Bah, pas vraiment. Là, le truc des... J'avais pas forcément besoin de tout, hein. Bah reviens vers là toi. Histoire d'avoir moins de fois. Elysio 74 s'abonne à la Zerator TV. Merci beaucoup pour ton sub. Alors ça c'est un bâtisseur, d'accord, oui. Tu vas aller ici. Et le bateau de pêche là, c'est bon? Ouais, c'est bon hein. Retransfus jusqu'à guérison. Évidemment. Il n'y a que Jérusalem du coup. Bon, en même temps, heureusement que je suis pas avec un joueur sur une île aussi petite. Ce serait assez terrible. Ah, le colon est arrivé. Ah non, pas encore. On va plutôt fonder une ville. Non, mais en portuaire, c'est bien. Là, ça me paraît pas mal ici. Ouais. Là, ça me paraît bien. Arédium. Toujours pareil, on va acheter le grenier. Gagnons du temps. Et achetons peut-être... Non, rien du tout. On va faire un bâtisseur, 11 tours. Gagner un peu de pop, de prod, de tout ça, tout ça. La roue a été optimisée. Génial. Vas-y, exploration automatique, fais-toi plaisir toi. Ici on aura quasiment rien à foutre. Lui, il va aller plutôt là. Il faut des habitations, je vais pas faire que des mines. Du coup il joue en ligne. Ah bah non. À jouer en ligne à cette vitesse, j'aimerais bien que ce soit possible, mais c'est pas trop possible. Lui il va rester là en fait. Tu vas rester là toi. Ouais, tu vas rester là. Ouais. Évidemment. Unité en attente d'ordre, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah oui. Féodalité. Féodalité. Vous allez rester là aussi. Il faudrait que j'observe un peu les côtes. Alors là, on a vu un barbare tout à l'heure ici. Activité insuffisante. Oui, bah. C'est bien gentil, mais là, pas tout de suite. Pas tout de suite. Plateforme commerciale, évidemment. Bibliothèque, évidemment. Plutôt la bibliothèque en vrai. Là, les plateformes commerciales, ça va pas être tout de suite. Pas si le suite, pain est la première nécessité. Non, ça va. Stratégie défensive. Le village tribal, y'en a un ? Où ça ? Ah oui, là ! Bah oui ! Hop, 22 fois ! Super, je suis content. Envoyer un émissaire, bah j'ai pas trop le choix, hein. De toute façon, il devrait compter pour 2 normalement. Il compte pour 2, il est à 3. Alors, cela dit, je suis pas encore suzerain. C'est vraiment que les trucs de foi. C'est vraiment la pire cité, hein. La pire cité qu'on aurait pu trouver. 5 tours, faisant une route commerciale courte. La pire cité état qu'on aurait pu trouver. Bon allez, il m'a donné envie, j'installe le jeu. Ah non ! Faites pas ça ! Bon, construction navale, encore combien de temps ? 3 tours. Sans vouloir sous-estimer la valeur des connaissances militaires. Ouais, d'accord. J'essaie quand même de pas le couper en pleine phrase. Je suis pas non plus le pire des connards. Enfin, j'essaye. Alors là, on a des campus à combien ? Plus 1. Et ouais, on n'aura pas plus que ça. Bon, là, il y a un bâtisseur, évidemment. Petite munition. Toi, tu restes là pour l'instant. Choisir une production, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. On va pas prendre des complexes de loisirs quand même. En vrai, faudrait faire un campus qui fait qu'en science on avancerait plus vite. Une galère! Faisons une galère. Quelle galère! Ni quani te kiwak ketel tenochtitlan. Wait la tuani. Tlinon tigneki. Te yao shiwani no sotima wiki. Accouche, on s'en fout. Bonjour, je suis. Souhaitez-vous visiter notre cité voisine et goûter à notre hospitalité? Merci pour cette présentation, mais nous n'avons pas le temps de... C'est entendu, ouais, c'est ça. J'aime à dire que je pratique un mysticisme. C'est ça. Il a dit Knaki. Oui, bah et alors? Ça veut dire bonjour. Ah, il veut que je fasse un complexe de loisirs, mais moi j'ai pas très envie. Plateforme commerciale, ce serait vachement mieux. Bon, allez.
Ça se développera plus vite après tout. Ouais. Non mais c'est bien de voir un peu les côtes. Les côtes. Un camp de barbares ici, ce serait très chiant. Non mais c'est pratique après d'être sur une île. Bon, j'avais mis continental, je pensais pas que continental ça voulait dire que des îles partout, connard. Mais sinon, j'aurais pas pris ça quoi. Je ne vois vraiment pas comment un navire moderne pourrait sombrer. Eh oui. C'est impossible. Tous les navires sont insubmersibles. Évidemment. Cartographie. Plus simple, tous les bateaux de pêche pour les utiliser navires embarqués peuvent faire naviguer sur l'océan, plus simple pour les utiliser embarqués. Ça c'est pas mal, mais ça coûte un peu cher pour l'instant. Ça coûte un peu cher pour l'instant, dommage. Un médecin ne connaissant pas l'astrologie n'est pas digne de son titre. Hippocrate. Putain, j'en connais beaucoup des médecins qui sont pas dignes de leur titre. Et si c'est Hippocrate qui l'a dit, en plus, c'est que c'est vrai. Franchement, là, y a pas à dire. Hein. Alors, un quadrième, un quadrirème. Combat à distance en mer. Ouais, non mais pourquoi pas. Hein. En 7 tours, j'aurais dû faire une galère peut-être. Plutôt. Quelle galère. On va faire un camp là-bas. Mais non, ça va, on va couper les cervidés. Non. Viens plutôt ici. On fera ça tout à l'heure. Alors une galère, c'est parti. Vers où on va aller? Vers la gauche? Ouais, je pense. Je pense vers la gauche. Campus, plateforme commerciale, complexe de loisirs. On va plutôt faire une plateforme commerciale, j'ai envie. Je vois pas, faut quand même pas faire ça. Mais bon, le campus, non mais c'est trop long, 25 tours, quel emmerdement. Je peux rien acheter là. Bon. Le campus alors. Le campus alors. Parfois la roue tourne très lentement. Mais elle tourne quand même. Normal que je comprenne rien. Ah bah ça c'est normal. Ça c'est normal. Tu n'as jamais joué à Civilization. Et qu'en plus tu n'as pas vu le stream où j'ai fait le tuto de Civilization. Ah là c'est normal. Je t'avoue que là tu dois rien comprendre du tout quoi. Combien ça le plus 1 Grand phare. Navigation astronomique, ça me paraît pas mal hein. Qu'est-ce qu'il veut? Du maïs et du chocolat vous seront remis par ma délégation, ce sont des offrandes. Vas-y mec, quand tu veux hein. Petit nom d'un ami viewer suisse, vu que ça fait un bail, je t'ai pas soutenu. PS en plein UD4 ultime des 4 lances speedrun. Ah, j'ai vu MV qui voulait le faire cette année, qui veut s'entraîner. Je sais pas s'il va arriver à s'entraîner jusqu'au bout, mais putain, c'est vraiment. C'est vraiment extrêmement chronophage et c'est un sacré projet. L'ultimate des 4 lances, c'est 10 jeux de speedrun d'affilée. Et c'est le premier qui arrive à finir les 10 qui a gagné. Enfin, entre guillemets, après il y a des points qu'on peut avoir et tout, mais pour faire un très très gros résumé, c'est ça. J'ai voulu faire celui qui était. Putain, pourquoi on peut pas aller plus loin? Ah, peut-être parce que ce bateau là. Ah oui, je peux aller que dans les eaux peu profondes. Ah oui, ok. Bah, tu sais quoi, exploration automatique, hein, vas-y. Fais-toi plaise. Définissez votre cap en fonction des étoiles. Ah. Recherche-toi. Alors, est-ce qu'il peut embarquer lui? Voilà. Il peut embarquer, ça y est. Le fondeur là-bas, pareil, hein. Tu vas aller embarquer, mon gars. Oh, l'éclaireur, il est parti direct. Il a attendu personne. Il a attendu personne, l'éclaireur. Il s'en bat les couilles. Il a dit ouais, à plus. Et il s'est barré. Direct. Travail du bronze. Ouais, je suis un peu obligé. Arena. Qu'est-ce que c'est que ça? Complexe de loisirs. Mais c'est pas dans cette ville qu'on veut des complexes de loisirs, c'est là-dedans. Peu importe. Moulin à eau. Obligatoire, le moulin à eau. Ouais, c'est ici qu'ils veulent les activités. Vous voulez quoi? Un port? Mais le port, je suis un peu obligé là pour les routes commerciales, il faut que j'en fasse un. Plus un gold. Ouais. Évidemment. Le son est fort, non? Non, il est pas fort. Il est comme il faut. Exploration automatique, toi aussi. Ah! Je cherche aussi à hein. Créer un héritage durable. McDonald's. C'est McDonald's qui a dit ça? Bah, dis donc. Guerrier, exploration automatique. On les met tous en exploration automatique, tous nos bateaux. Vous allez voir que ça va être vraiment la folie. Ingénierie, catapulte et les thermes. Les thermes, c'est pas mal. Travail du fer. J'ai pas de fer. J'ai du fer? Non, j'ai pas de fer. J'ai plein de trucs, mais du fer, j'en ai pas. Vous avez tant de choses que je n'ai pas. Voulez-vous voir hein? Bon, écoute. Voulez-vous voir vos sujets réduits en esclavage? Mais tu me parles différemment, je suis pas ton pote. J'ai vécu des choses terribles tout au long. C'est terrible ça, s'énerver comme ça pour rien. Moi, je suis pépère en train de développer ma civilisation et lui. Oh là là, les knackis, elles sont mal cuites, je sais pas quoi là. C'est ta joie. Je sais même pas où il est. Où est-ce qu'il est ce type?
Où il est ce type que j'ai découvert là? Où est-ce qu'il est? Lui là. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? T'es où? On sait pas où t'es, on sait pas ce que tu fais, on te connaît pas, on... On sait pas. Empire Aztèque. Mais t'es dernier dans tout, mec! Mais tu pues la merde! C'est ça, t'as 4 vénères, hein. T'as 4 vénères, c'est toi qui perdras. Hein. Non, mais le mec est fou. Jardin suspendu, c'est vraiment bien. Ça fait de la prod pour chaque cité, c'est vraiment cool. J'ai envie d'acheter des cases, bon sang. Ah, vaut mieux acheter celle-là. Marc, j'aurais pu m'étendre de la mer, vers la mer, ça aurait été mieux en fait. Exploration automatique, ouais, toi aussi, hein. Vous êtes tous au même, même truc. Il est où? On sait pas où il est. Toi, t'es à l'ouest, l'Empire Aztèque. Oh! Wa-re-wa-nihon-koku-no-bushido-no-shin-kou-sha-hou-jo-toki-mune. Ok. Ah, il a dit son nom à la fin, c'est marrant. Alors, je suis Hojo Tokimune, dirigeant du Japon et un disciple du Bushido. Étant arrivé deuxième de la dernière saison de l'ultime décathlon dans une salle de cinéma en liesse, je confirme, c'est trop bien. Les gens sont trop cool, go checker, pub de voyous. Oh, putain, Kusha, c'est vrai? Il y a des gens comme ça qui regardent mon live? Ben mec, bravo à toi. Félicitations, ça a dû être une sacrée épreuve. Bravo, franchement. Tu veux venir visiter ma ville? Je vous remercie. Mais de rien. C'est génial! On rencontre toutes les nations et direct, hop, on peut comprendre ce qu'ils disent. Quand même bien fait. Les gens normaux estiment. Quand même bien fait le monde. Normal. Alors qu'on n'a même pas découvert la pierre de Rosette pour découvrir tous les langages basiques, hein, c'est-à-dire hiéroglyphes, latin, grec. Voilà. Langage basique. Voilà, les langues vivantes. S'il est naturel de tuer, pourquoi les hommes ont-ils besoin d'un entraînement spécifique pour le faire? John Baez. C'est lui qui a dit ça. Pourquoi il y a des Dovahkiins qui me disent que c'est la fin de mon tour là? C'est quoi l'histoire? Alors il est où le japonais? Le cheval est dangereux de... Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi l'histoire? Éclaireur. Mon éclaireur se fait doumed. Qu'est-ce que... Il faudrait qu'il débarque en fait. Hop. Oh. Ou Ned. Non mais ça va pas du tout, il va me tirer à distance. Non mais attendez, le japonais. Où est le japonais? Il est là? Ah, il est là! Eh ben c'est là qu'il faut aller. Débarque! Non, pas du tout. Si on faisait un col long, on fera un col long, on va aller mettre une ville à côté du. Non, il faudrait trouver le mec qui fait que m'insulter là. L'Empire qui fait des steaks. Pour mettre une ville à côté de chez lui. Et dire, bah maintenant c'est comme ça, c'est tout. Maintenant c'est lui. Souhaite quoi? Pour monter au plus haut étage, on emprunte un les jardins suspendus les forces sont terminés, on a plus de prod. Ils ont éclaté mon éclairage, je suis bien déçu. Un col long! 4 tours. Toi, bibliothèque, évidemment. Pas du tout. T'en es où? T'as fait un quoi? Un port? Ouais, c'est ça. Bibliothèque, c'est bien. Ah, la Valette. Ça, c'est beaucoup mieux. Ah, la cité-état vous suit comme dans la guerre. Dans la guerre comme dans la paix. Vos unités peuvent pénétrer son territoire. Vos bâtisseurs. Et le bonus, c'est quoi? Les bâtiments du centre-ville et les campements vont acheter avec de la foi. Putain, mais c'est que de la foi tout le temps. On va aller. Ah, je suis déjà suzerain. Ouais, bah, je m'en fous alors. On va dire qu'il refuse tous les trucs. L'Empire qui fait des steaks. Non mais c'est où? Ils sont... Qu'est-ce que c'est que ça? C'était le japonais. Le bruit court que le Japon a procédé à la... On ne peut qu'obtenir une pensée religieuse. D'accord. Excellent. Un phare, ça fait quoi? Nourriture, or, habitation. C'est OP. Oh, le bâtiment OP. Pourquoi tu me demandes de faire une bibliothèque? Un colosse. Non, le phare c'est pas... Le phare ça m'arrange. Nos allégations vous apportent des chefs-d'œuvre du... Yoseji Zukuri en guise de présent. Bah j'adore le curry donc ça tombe bien, allez on y va, hop. La vallée. Alors Zanzibar! C'est quoi Zanzibar? Ah enfin quelque chose d'utile! Merci! Texcoco, super ville. Hein. Jérusalem. Non mais là c'est trop. C'est trop bénéfique de faire des routes commerciales entre mes peuples, désolé. Warred, s'abonne à l'Azerator Télévision, merci beaucoup pour ton sub! Ah ça c'est très puissant. Hop! Tu vas aller ici, et là tu vas te déclencher. Boum! Inspiration, mercantilisme, imprimerie, voile carrée. Ok, alors le colon. Alors il est où le mec là? C'est lui, c'est Texcoco qui m'emmerde là? Ah ouais, c'est lui! Alors regardez ce qui va se passer. Viens, le colon il est où? Il est là. Hop, on va aller faire une ville chez lui. Plateforme commerciale, oui, il serait temps peut-être. Quoique, hein. Ah mais si, remarque, ça boostera mes trucs à l'intérieur. À l'intérieur des terres. Plus 3. Oh ouais, tant pis, hein. On perd la paix. Attends, ils sont où mes guerriers? Ils sont là. Attends. On va venir faire une ville ici. Ça c'est quoi? La Valette, Charlot. En plus, la Valette, c'est trop mes potes. Non mais c'est génial. Il faut faire ça.
Toi, débarque ici. On va faire une ville genre là, juste à côté de Texcoco. Et vous allez voir, ça va être énorme. Texcoco, et là il y a sa deuxième ville. Il a deux villes. On va commencer à... Non, parce qu'il fait chier. On va commencer à nous faire chier. Charlourd, Bélier, galère mon cul. Qu'est-ce que... Négociant. C'est vrai que là on a une deuxième route commerciale faisable. Il faut faire un port. On est quasiment obligé de faire un port. On est obligé. Surtout ici. Ah bah y'a Kouchas qui s'abonne à Zerator TV. Bravo à toi. Merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup Kouchas. Faut pas qu'il aille trop loin ce guerrier parce qu'il va falloir que je me défende. L'ère médiévale. Il n'y a pas vraiment de méthode miracle pour former un... Ouais je sais. Cartographie, construction c'est bien. L'armée en terre cuite en vrai ça se négocie hein. Mais quoi, en attente d'ordre ah. Là y'a des barbares. Non c'est mes potes de la Valette. La Valette faut trop que ce soit mes potes. Ah y'a Juice. Qu'est-ce qu'il a... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Un joueur inconnu a été vaincu. Quoi? C'est Texcoco? Comment ça un joueur inconnu a été vaincu? Ça va trop vite. Vaincu déjà? Oh, attends. Débarque ici. Il est où mon guerrier? Il est là. Ça c'est qui? Les Aztèques. Les piliers de l'univers sont le feu. Mais qui c'est qui m'appelle? Non c'est pas possible. L'invincibilité. Désolé, c'est pas possible. J'étais en mode c'est quoi ce bruit de téléphone portable à l'intérieur du jeu? Abruti de merde. Alors attendez, les colons ont pas de... Ont pas débarqué? Ah non, dogme. Fonction publique, ça c'est très bien. On va pouvoir avoir des fonctionnaires. Enfin des fonctionnaires. Il y aura 40 minutes, déjà la moitié tu finiras jamais. Putain, on est au tour 87. Ah mais c'est bien. Thème, rempart antique, marché. On veut faire un négociant. Salut Tekanatsu, merci beaucoup pour ton sub à la Zerator Télévision. Bonjour, merci pour ton soutien. Mut. Ouais, plutôt vers là. Et après on va acheter des guerriers. Le Seigneur nous a tous fabriqués en fer. D'accord, logique. Mécanique. Rempart antique, non. Négociant, nouvelle route commerciale. Avec Arétium, évidemment. On peut encore faire un négociant, on va refaire un négociant. Non, c'est terminé. D'accord. Zone Indus, terme. Et les termes, le problème, c'est que... Ouais. Je ne pourrai plus jamais admirer les plus beaux lieux de la Terre comme s'ils étaient les seuls. Crater Lake. Alors, attends. Crater Lake, c'est bien sympa, mais reviens ici, parce que là, il va falloir aider les colons, parce que l'autre Texcoco, il va péter un plomb. Hein. Il n'y a qu'une règle dans Civ, Gandhi est toujours le premier à envoyer la nuke, toujours. C'est vrai, D-Flag, c'est vrai. Alors, où est-ce qu'on peut fonder une belle ville? Je pense ici. Non, en vrai, c'est un emplacement de merde, mais ce n'est qu'un... Putain, il a trois villes. Putain, Amsterdam, Texcoco. Ah putain, mais c'est Texcoco qui a vaincu l'autre. Je peux pas le croire. On va se mettre là, hein. Il va être tellement vénère, je vais me faire Doumed. Mais au moins, ça pourra ramener des renforts et tout. Non, mais c'est bien. On va se faire... Ouais, non, mais ici, c'est... Oh, il va être trop vénère. Attention. Prochain tour, là. Prochain tour, c'est terminé. Alors, on achète. On achète quoi? Non, on va attendre. On va d'abord acheter un grenier. Ça, on est sûr de l'acheter. On va voir s'il est vraiment vénère. Moi, Texcoco, y a pas de problème. On est en tête dans la victoire scientifique. On n'est pas en tête dans la victoire culturelle. Mais mon pote Texcoco, lui... il va se faire engueuler. Ah, je vais me faire engueuler, hein. Je le sais. Il va dire oui, comment ça se fait? Est-ce que la police fait son travail? Bon, j'achète rien, je suis un grand mec qui prend des risques. Hein? Bon, si tu veux. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Les termes, la plateforme commerciale, le bâtisseur, les éclaireurs, la légion. Alors là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur un bâtisseur à 12 tours? Non, je pense qu'on va rien faire. Ou alors on part sur un truc avec très peu de tours, genre un archer. Et l'archer, au moins, on est... Car. Votre peuple s'installe ici, on se fait engueuler. Votre peuple s'installe trop près, vous devriez chercher les terres ailleurs. Je m'excuse, je chercherai ailleurs. Voilà, on va dire ça, et comme ça, il va dire, ah d'accord, c'est bien. Ça, c'est l'avantage de la civilisation. Tu peux dire, ah d'accord, c'est bien. Et le mec, comme ça, s'en fout. Donc ça, c'est vachement bien. Alors, exploration automatique. On y va.
Le contribuable, voilà quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, mais qui pour ça n'a eu à passer aucun concours. Très important. J'espère que vous avez entendu cette... cette citation extrêmement importante. Alors quoi d'autre ? Marché peut-être ? Ouais, marché. Choisir une prod. C'est pas l'heure là ? Putain, il est 46, merde. Il va falloir faire la pause. Ah, mon dieu, mon dieu. Alors. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Pas trop quoi faire parce que là. J'ai pas envie de faire de guerrier tout de suite, il m'a toujours pas déclaré la guerre. On peut faire une bibliothèque. Bibliothèque dans le campus, ce sera toujours ça de prix. Négociant ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, non, non, route commerciale, c'est bien. Alors. Oui ! J'aurais dû en faire un autre. Ah non, on est à 3 sur 3, c'est bon. Bon, ça va être la pause, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Japon, missionnaire, bouddhisme. Ah non, mais on s'en fout, c'est pas grave. La victoire religieuse ne compte pas. Si tous mes peuples sont adeptes du bouddhisme, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Archer ! Voilà, archer, c'est bien. Vous restez dans la ville. Pendant ce temps-là, je pense que là, les remparts antiques s'imposent. Quand même. Putain, mais il a tellement d'armées, ce connard. Et oui, parce que... Putain, il a tellement de mecs. Putain, il attaque la Valette. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la cité-état, mais quel con. Simias, s'abonne à la Zerator Télévision, merci beaucoup pour ton sub. Oh non, mais il attaque la Valette, c'est insupportable. Comment on fait? Le mec qui devait être nul devient fort, c'est insupportable. Comment on fait? C'est insupportable. Le Japon est à la Renaissance. Et bah ils font ce qu'ils veulent. Et bah qu'ils aillent à la Renaissance et qu'ils fassent pas chier. D'accord. Château. Que dalle. Imprimerie. Château. Cartographie. Cartographie, ça fait longtemps qu'on veut le faire. On en a plus trop besoin. Enfin, moins besoin que tout à l'heure. Le colosse, ça fait quoi? Route commerciale plus 1. Octroie un négociant. Doit être construit sur la côte. Et sur une case adjacente à la terre et un port. Ouais, j'ai pas envie de faire ça. On va plutôt faire des termes. En plus, si vous voulez des activités. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Ah, c'est un... D'accord. Alors, voyons voir, ça attaque comment, ça? 36. Et bien voilà, fallait pas me poser la question. Ils se battaient très bien. Ah oui, mais du coup, ils répondent pas parce que c'est des bateaux. Mais du coup, si je tire en premier, j'ai gagné. Et ouais. Du coup, j'ai gagné. Forcément. Genre, là, il meurt. Voilà. Facile, ce jeu. Et la promotion. Puissance de combat. Contre les défenses, les quartiers. Il y a quand même un camp barbare ici, je suis un peu déçu. Alors combat, donc ça c'est un guerrier recruté, on va le transférer de ville, on va le mettre chez l'autre. Ça va être génial. Plateforme commerciale. Ouais, c'est une bonne idée. Mais j'ai un peu peur, mais c'est une bonne idée. Non, bâtisseur il faut faire. Il faut faire un bâtisseur en vrai. Ça c'est mes guerriers, ils sont là, ils sont contents. Hop, c'est des légions maintenant, les légions de Rome. Les légions de Rome. Alors. Ah mais c'est un... Ah d'accord. Ah d'accord. Du coup, est-ce que vous pensez de vous retrouver ici? Ah merde. Qui se bat là? J'entends des gens se battre. C'est là-bas, putain, l'autre qui se bat avec l'autre. Putain. Bon là, sur le poisson, sur le poisson. Attends, attends. Rendez-vous sur le poisson. Voilà. Rendez-vous sur le poisson. Non mais la Valette, non mais la Valette. Ah mais il attaque plus la Valette. Génial. On peut aller émissériser la Valette. Bon, c'est la fin! C'est la fin! Enfin, c'est pas la fin. Fin de la première partie. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième partie de civilisation. On est déjà au tour 100. On a réussi à faire 100 tours. Donc, c'est pas mal. Ceci va l'air de se jouer plus vite que les anciens. Non, normalement, non. Voilà. On se retrouve dans 5 minutes, ne bougez pas. A tout de suite.